ne manquez plus aucune émission. Voilà. Province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bounia. C'est la technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critère du succès au sein de FRDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachuma Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachuma Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement, des processus de paix. Dans le cas contraire, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment on se protège. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.